Le patriarcat latin de Jérusalem a deux nouveaux évêques. Le Saint-Père a nommé comme évêque auxiliaire du diocèse patriarcal latin de Jérusalem le révérend Jamal Kader Taïbès, du clergé du même diocèse, vicaire patriarcal pour la Jordanie, lui assignant le siège titulaire de Patara. Et le révérend Rafik Nara, prêtre fidé d'Onoum de l'archidiocèse de Paris, vicaire patriarcal pour Israël, lui assignant le siège titulaire de Verbe. La nomination a été annoncée le 11 mars par le Saint-Siège, qui l'a diffusée dans son bulletin quotidien. À Jérusalem, au patriarcat latin, Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, accompagné de Monseigneur Adolfo Tito Ilana, délégué apostolique pour Jérusalem, en a fait l'annonce en présence des communautés catholiques de Terre Sainte. Monseigneur Jamal Kader Daibès est palestinien. Il a fréquenté le séminaire de Beit Jala et a été ordonné prêtre le 8 juillet 1988. Il a été vicaire de la paroisse du Christ-Roi à Amman, professeur au séminaire de Beit Jala et curé de la paroisse de Saint-Élie en Jordanie. Il a terminé ses études à Rome, où il a obtenu son doctorat en théologie dogmatique en 1998. À son retour dans le diocèse, il a été professeur puis recteur du séminaire, chef du département d'études religieuses de l'université de Bethléem et doyen de la faculté des lettres. Curé de la paroisse de la Sainte Famille à Ramallah et directeur des écoles du patriarcat latin en Palestine. Depuis juillet 2021, il est vicaire patriarcal en Jordanie. J'accepte cette nomination avec un sentiment de responsabilité et surtout avec un sentiment de gratitude envers le Saint-Père et le Patriarche. Ils nous donnent une grâce, mais avec la grâce, il y a aussi une responsabilité. J'ai besoin des prières de tous les fidèles pour que nous puissions mieux servir l'Église ensemble, avec l'image du bon pasteur. C'est l'image que j'ai toujours devant moi pour mieux servir et servir tout le peuple de Dieu. Monseigneur Rafik Nara est né en Égypte, de parents libanais. Il a grandi au Liban, puis a étudié à Paris, où il a obtenu un diplôme d'ingénieur et a exercé sa profession pendant 2 ans. Entré au séminaire de Paris en 1987, il a ensuite été envoyé à Rome pour ses études, obtenant d'abord un baccalauréat en théologie, puis une licence en écriture sainte. Il a été ordonné prêtre en 1992 pour l'archidiocèse de Paris. Par la suite, à Jérusalem, il a obtenu une maîtrise en pensée juive et un doctorat en littérature judéo-arabe et a dirigé le département de recherche sur le judaïsme et le christianisme au Collège des Bernardins à Paris. Revenu à Jérusalem en tant que fidé d'Onoum, il a été responsable de la communauté catholique de langue hébraïque à Jérusalem, puis responsable du vicariat de Saint-Jacques. Depuis 2021, il est vicaire pour Israël. Prima di tutto ringrazio il Signore di farmi fiducia io povero. Tout d'abord, je remercie le Seigneur d'avoir fait confiance au pauvre homme que je suis. Je voudrais le servir avec l'aide de la prière de chacun, car il s'agit d'un service de l'Église de Jésus-Christ. Le patriarcat latin n'est pas nouveau pour moi. Je sers ici depuis des années, une terre qui me touche beaucoup et un peuple que j'aime et que je veux servir. Cette nouvelle mission me donne donc un plus grand sens des responsabilités, en particulier maintenant envers les chrétiens qui sont en Israël, qui sont à Nazareth où je vis. Je demande au Seigneur la grâce de leur montrer le visage du Christ, de leur montrer aussi la beauté de l'Église. Di mostrargli il volto di Cristo, mostrargli anche la bellezza della Chiesa.